Grave, reine putain. Ah non, il y a des rennais dans le chat. Ah non, sérieusement non. En parlant de famille, ça aurait été la plus grosse déconvenue pour moi de 2020, ça. Vous vous rendez compte quand même? D'apprendre au funérailles de ma grand-mère que le bouseux fait partie de ma famille. Il est rennais et il joue à Fortnite. Merde! Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, tu te rends compte que quand même le nom de sa mère est sur ma carte d'identité, quoi. C'est dingue quand même. La vie est chelou quand même. Elle fait des sacrés farces. Ouais. Faudrait que je le fasse venir sur Rainbow Six, tiens. Le bouseux, poulet, arrête avec la Formule 1. Arrête avec Fortnite, viens sur Rainbow Six. Viens voir papa. Ou Valorant. Neuf sur des vrais jeux. On va s'amuser. All right, I've got to show you guys. I'm Min Prodi. Okay, and me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Mais comment ça, tu tires la gueule? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Viens parler. Vas-y, viens sur Discord et viens nous expliquer ce qui va pas dans ta vie. Je te fais une radio celle en deux minutes. Moi, je te donne un motivation. Un truc. Tu vois, s'il arrive, c'est la bouche pleine. Il fait j'ai des problèmes d'obésité. Et toi, t'es là. Ah ouais? Oh, je suis con. On parle pas la bouche pleine. Demande ta mère. Non. C'est toi qui viens nous parler pour tes petits problèmes d'érection, c'est ça, Forlet? Non. Non, okay. Non. Moi, je vais t'amener justement celui qui a les problèmes. C'est Brendou. Il va faire son pitch me. Donc, du coup, je te l'annonce pour qu'il vienne. Voilà. Ok, d'accord. Et tu me tutoies. Et tu me tutoies. Ah, désolé, c'est une erreur, monsieur. Ah, bah, ce que tu prends dans la gueule sur les réseaux sociaux, Forlet, je serais toi, tu devrais me vous voir. Bon, si je veux en mettre une couche, vas-y, t'es libre. Bon, allez, dégage. À plus tard, Forlet. Bisous. Salut, Bébou. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bien. La famille, la baisse Roya, tout ça? Tranquille. Bien? Tranquille, tranquille. Ah, nickel. Wesh. Bien ou? Ça va. Ok. Et assez? Je me fous de ta gueule. Bon, allez, Bébou, dis-nous tout, ok? Tu viens pour un teach me? C'est ça. Alright. Alors, prénom déjà? Maxime. Maxime, ok. Maxime, je note Maxime. Ouais, déjà, t'es quel grade? Alors sur mon main, bronze, mais on le compte pas parce que c'était du road to copper, voilà. Et sinon, plutôt or, en général, voilà. Mais t'es youtubeur? Absolument pas. Streamer? Absolument pas. Et pourquoi tu fais un road to copper? Parce que je suis très con. Ah voilà, ok. Alors, ok. Il est très très con. Ok, c'est noté? Si vous avez pour but d'être fort dans les jeux vidéo, investissez les gars, vraiment. Ouais, bah moi ça m'est arrivé quand j'avais 18 ans quoi. J'ai fait 2 semaines de mise en rayon. À l'époque, ouais, tu faisais 2 semaines de mise en rayon, donc du coup tu touchais la moitié d'un SMIC de l'époque, donc du coup, je sais pas, tu devais te faire 600-700 euros. À ça, tu rajoutais 200 euros et puis c'est bon, t'avais un PC de compète quoi. Alors que maintenant... maintenant c'est compliqué quoi. Maintenant, un bon PC de jeu, faut compter un petit 1005, c'est bien quoi. Enfin, un bon truc, tiendra dans le temps quoi. Tu conseilles quoi entre un PC portable et un PC fixe? La question se pose pas. Fixe, d'accord? Après ça dépend de ce que tu veux en faire. Mais à prix équivalent, le PC fixe sera mieux pour jouer à des jeux vidéo. Hein, voilà. Après, si toi tu vas aller sur Word, Internet, sur des films, des trucs pas très catholiques, dans un camion par exemple, ça va être difficile de ramener ton fixe. Mais si tu veux jouer, faut arrêter. Personne ne stream sur un PC portable. Ça c'est juste le truc quoi. Alors bon, en influenceur, on dit ouais, ils sont. Mais, et toi tu l'utilises? Non. Sachez un truc qui est assez simple en fait. Pourquoi est-ce que les PC portables et de jeux, ça coûte une blingue et puis ça dure pas dans le temps, c'est naze au final, pour plein de raisons. C'est très simple. L'ennemi du côté du PC, l'ennemi de tes performances, c'est les performances de l'ordinateur. Plus les performances de ton ordinateur, plus la merde, et plus tes performances vont être affectées. On parle des FPS, etc. Donc l'ennemi de tes performances, c'est les performances de l'ordinateur. Et l'ennemi des performances de l'ordinateur, c'est la chaleur. Ok? Plus un PC chauffe, moi, il est aéré, moi, machin, truc, moi, il a de place, plus il va chauffer. Comme c'est compact dans un PC portable, ça chauffe plus, donc les performances sont machin. Et à chaque fois, en plus, c'est du marketing de merde, quoi. Tu vois, ils vont te dire, on a mis une 2080. Waouh! Le gros truc, là, dans le portable. Ouais. Une 2080M. Ah ouais, ok. Pas tout à fait pareil, en fait. Donc, le chipset va peut-être être le même, la puce va être la même, mais le système de refroidissement, quel élément important? Le truc le plus important, le truc, le petit ventilateur, là, bah, quand il est compressé comme ça, bah, voilà, quoi. Donc du coup, c'est ça qui va définir en fait si tu peux augmenter la puissance de ton processeur ou pas. La possibilité qu'il y ait un système de refroidissement qui soit viable. Et sur un portable, si c'est pour avoir un portable, pour le poser sur un truc qui est un ventilateur, un socle ventilateur pour le refroidir, etc. Dans ce cas-là, prends un fixe directement, quoi. Voilà, quoi. Première chose qu'on va faire, tu vas venir dans mon escouade, je vais t'inviter, monsieur pain de campagne, et je veux voir des trucs. Tu t'es chauffé avant de venir ou quoi? Parce que tu sais que tu vas te prendre des grosses cuts dans la gueule hein, si tu fais... Ouais, je me suis chauffé un petit peu, ouais. J'ai joué un peu ce matin et un peu en début d'après-midi. Et t'as vraiment mis une photo de pain de campagne du coup? Ah bah ouais, on fait pas les choses à moitié. Ah ouais, pas déconnant, c'est pas déconnant.
Là, tu joues une terreau parce que tu sais que c'est les terreaux en face et qu'ils vont mettre un laps de temps pour tirer. Mais après, on va changer un truc. Là, ta façon de décaler, elle est bien si les mecs sont silver en face. Mais moi, je veux que tu travailles comme si... en les respectant, en fait, les terreaux. T'arrives sur une sable comme ça, tu vas pas décaler comme un gros bâtard, tu vois ce que je veux dire? Et surtout toi, quoi. Là, tu pourrais quasiment envoyer du clic droit dès que tu... sans avoir un quick shot et sans faire ton gauche droit. Fais gaffe au C4. C'est pas dégueulasse du tout, hein. Non, c'est pas derrière, c'est devant à gauche. Raté. Tu sais que t'as un marteau avec Sledge, hein. C'est vrai. J'avais oublié. J'aimerais bien que tu respectes les terreaux, en fait. Attends, je vais te faire voir. J'ai envie que tu viennes lécher les arêtes. Toi, tu fais ça. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça, ouais. Tu respectes pas les terreaux. Moi, ce que je veux voir, c'est ça. Tu vois, je veux que tu viennes lécher l'arête et que tu le joues en 1v1. Tu rentres pas en sachant que c'est un terreau qui va te niquer, tu vois. Parce que autrement, c'est simple, il tire pas le mec, il tire pas pendant 10 secondes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, ouais. Et tu scannes. Et pas de jeu décale comme ça. Parce que tu vas toujours te faire niquer par un petit con qui va être allongé comme une grosse merde, comme ça, avec une petite ligne, etc, etc. Et tu vas te faire niquer. Scan. Problématique numéro 1, problématique numéro 2, problématique numéro 3, problématique numéro 4. Je décale, tac, tac, tac. Là, j'ai une autre problématique, c'est derrière ce mur, je sais pas ce qu'il y a. Scan, 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 derrière le mur. Très shot. Tu vois? Et il faut que tu scannes comme ça. Et ça s'entraîne, y a même pas besoin de le faire avec du monde en fait. Tu peux le faire à vide sur une map, tu vois. Tu peux faire ça, oui. Voilà. Et j'essaie de scanner. Alors toi, évidemment, il y a toujours le problème de... T'es en holographique, hein. Mais j'ai envie de te voir faire ça. Donc essaie au moins de faire ça, tu vois ce que je veux dire. Essaie de les respecter, de t'entraîner comme si tu... Parce que ça sert à rien de s'entraîner pour s'entraîner, tu vois. Ça sert à rien de faire une demi-heure de chasse au terreau pour faire une demi-heure de chasse au terreau. Non, il faut la faire en situation, quoi. Voire même parfois se mettre un peu en difficulté. Moi, je fais un peu le con, je me balade, tu vois. Parce que autrement, parce qu'il y a le truc pire, hein. Il y a le truc pire, c'est de jouer comme Mary, tu vois. Bon, Mary va le jouer comme ça, quoi. Voilà. 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 Donc, ça sert à rien, en fait. Parce que tu t'entraînes pas, tu te chauffes pas, voilà, quoi. Ok. Bon, on va aller voir ce que ça donne in-game, du coup. Tu peux faire ça, ou alors autrement, bonne position pour un petit bandit, assez agressif, jouer dans les toilettes, tu vois. Tu joues, tu joues dans les toilettes, surtout avec ton aim, un petit 90 de fof, bandit, là, trop de rotation toilette. Essaye de te faire deux safe zones sympathiques, tu vois. Tu te fais le piano, tu pètes des drones, et une fois que t'es mis sous pression, tu viens jouer là, sur mon fil barbelé, en fait, quoi. Tu viens jouer sur le ping, là. Après, ils ont fait de la merde, mais bon. Après, je vais devoir m'occuper un peu de toi. Il y a un drone. Il y a un drone, je suis repéré, je suis full repair. Ah bah voilà. Il y en a un à la fenêtre qui est rentré dans le piano et un autre à la fenêtre de Escarrouge là. Ok. C'est la marou dans le piano, elle a pris des balles. Careful, white stairs. Il y en a en face de l'escalier blanc. White stairs I think. Bah il va arriver construction. Il va arriver pour toi. Dead. Il y en a dans le frigo. Dans le frigo, je sais pas qui. One in the fridge. Top Escarrouge. Non c'est... si c'est ça. À gauche du frigo ou à droite? Dans le frigo, il était rentré dans le frigo. One roof. C'est à droite, deux Danone. Le montagne et l'Azophia. Je suis mort. White stairs. Ah, c'est dommage. Le château de cartes s'effondre. Bon, c'est parfait là, le call. Dommage. Faut faire gaffe là. Pourquoi? Comment t'es mort? Bah, j'ai voulu. Il y avait la Amaru qui était rentrée avec son grappin là. Ouais. Et en même temps, l'IQ qui avait un crossfire à la fenêtre à côté de moi, là, minibar. Ok, ok. Dans ce cas-là, joue dans les toilettes directement. Ouais, les drones, ils s'en foutent visiblement en face. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Vraiment de la merde. Là. La trappe, si elle est faite, la trappe, c'est bon. Si on reste sur site, on est mort. Mais t'as, je vais aller escabler, là. C'est rentré Bakery, il y a la Yana. Bar rouge, il y avait la Yana. Ouais, c'était son drone. 90 for you, Modi. One coming from yeah. Dead. Je sais pas qui, dans le main. C'est un monstre. Nice, guys. Et t'es où? Je sais pas. Nice, guys. Il y a la 2 en face qui joue bien, et après le reste, c'est un peu l'autre hier. Il va nous falloir un Thatcher, tu peux le prendre. Oh, que glace, quoi, s'il te plaît. Mon dieu. 6-4 et Jaeger Black Eye, c'est beau putain. Ouais, c'est ça, on se meurt. Ok, donc moi ce que je veux que tu joues, c'est le top de l'escarrouge.
avec moi pour me filer un coup de main pour possibilité de Banditrix. Attention, on a spawné une Valkyrie, donc attention aux sorties à l'extérieur, en particulier au niveau de la terrasse là. Neige ou Tetris, cet endroit là. She's going to spawn kill, she's going to spawn kill. She put the camera on the right side, so be careful guys. Yeah, here. Il y en a un, il m'a niqué ici là. Regarde la caméra derrière toi peut-être. C'est de chercher une caméra genre par là, là. Il a pété une caméra lui, mais j'arrive, je suis en retard. J'ouvre les trappes. Ouais, bon, on avait un de glace autrement. Y'a personne rouge et mid rouge. Y'a personne d'anon. Can you do all my drone guys? Oh, y'en a un qui revient en dessous. There is one here. Just under the cigar. Attends, je vais redronner. Il est sous le cigare. C'est un pull, je crois. Y'a personne, hein, bas rouge. Y'en a un en dessous en tout cas, fais gaffe. Je vais foutre ma clé bas. Vas-y, va la foutre. Hein. Fais gaffe, il peut y avoir un mec. Je suis con là. Non, t'as les charges. Can you hold my drone guys, please? Tu drones là-bas? Ouais, y'a personne top blanc, personne toilette. Et si top blanc, y'a la. Comment il s'appelle la pute là, Alibi. Ah, c'est 4 pas en dessous, forcément, le pulse. Ouais. Yeah, he's coming. Le plus derrière toi, top escarouche. Par le trou que t'as ouvert sûrement. Ah ouais, forcément, voilà, logique ça poulet, c'est propre. Et puis y'a toujours. Si t'avais un petit Thatcher, on aurait pu se niquer plus tranquillement, tu vois. Ah, il faut que t'aies planté, récupère le diffuse, t'as pas le diffuse. Allez, faut aller il faut direct le planter là. Tu t'en fous. Behind. Red stairs. What? Je voulais te chercher. Quand t'as fait le kill sur le truc, le diffuse c'est toujours le truc. Il peut jamais être par terre un diffuse quasiment. Ouais, ça il faut avoir une bonne vision périphérique et puis un bon situational awareness. Donc toujours être au courant de tout quoi. Pareil, il a fallu que je te rectifie sur le crosshair. Il y avait 90% de chances que le puce ne passe pas par une porte qui est assez difficile à jouer quoi. Et qu'il utilise le trou que t'avais créé toi-même en fait. Tu vois, pas très grave, mais c'était pas trop mal. Et pareil, quand je t'ai dit j'étais emmerdé par le pulse en dessous, un petit toucher, tu vois. Ça peut toujours faire chier, ça peut toujours un peu m'aider, tu vois. T'inquiète. Je crois qu'ils sont train. Train ? Ok. Il me semble, et ça a pété la fenêtre mid-rouge. Ça doit être la Libye encore. Attention extérieur, parce qu'ils peuvent faire un peu n'importe quoi. Et ça punch la fenêtre piano. Dead, coming. Bon, j'ai pas les charges, hein. T'inquiète. Je vais droner, en personne dans le fridge. Ils sont où exactement ? Ils sont en train, je crois. Train ? Alright, train et une cheminée, ok. Y'a personne piano. Ouais, je suis en train de droner, y'a personne piano, nice, le call. Y'a personne dans le frigo, tu m'as dit. Y'a personne escape blanc. Ouais. Y'a personne cocktail. Okay. There is no one top. Va mettre ton drone de l'autre côté. Ouais, voilà. Et on va aller leur défoncer la gueule au-dessus. Où est-ce qu'on va leur défoncer la gueule ? Yeah, quand même. Careful, red stairs. On a besoin d'un truc parce que si on commence à les jouer par-dessus, ils vont commencer à nous faire chier. Et on va descendre l'escarouge. Fais gaffe. Je vais droner pour toi. Je mets la clé mort. En bas d'escarouge. Je vais jusqu'en bas d'escarouge. Il y a rien, donc on est plutôt bien. On a de l'altitude. Faut que tu pètes le petit truc là. En descendant à droite, tu verras. Il y a un truc à péter. Vas-y, descends. La fenêtre est pétée de toute façon. Et ça, j'ouvre. On pourra planter là. On peut planter sur B. En plus, ils ont fermé la porte. Ils ont fermé les deux portes. C'est full safe. Je plante dans la smoke. Y'a un cut sur moi, je crois. Non, c'est toi ? Non, c'est moi qui ai foutu le. On joue pas. Hein. On joue au drone et on la nique. J'ai le drone. Il y a une Valkyrie sur A. Et elle est au ping. Elle a la porte à ouvrir. Elle rotate. Elle a l'autre porte à ouvrir. On la nique. Cut là. Ah merde, je pense que j'ai compris qu'elle avait plus de balles, elle avait tout tiré d'un coup. GG boys.